Je sais que l'armée royale est mauvaise, mais... je refuse de croire qu'ils dévorent les cadavres des rebelles. C'est n'importe quoi. Longinus, le détecteur que vous m'avez donné me dit que j'approche de ce que vous voulez que je trouve. C'est une très bonne nouvelle, AJ. Mais sois prudent sur le site du crash. L'armée royale a dû envoyer des hommes récupérer la cargaison de l'hélico pour eux. Attaque-les s'il le faut. Faufile-toi comme un voleur dans la nuit. Avec quoi là? Thank you.
Bordel de merde, c'est vide. Celui-là semble intact, mais si c'est pas des armes, qu'est-ce que je fais là, moi ? Bonjour, Ajay. Je croyais que ce serait une cargaison d'armes pour le Sentier d'Or. J'y suis allé pour ça. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois,
Après quoi vient le jugement. Ils te mentent. Le sais-tu? On appelle ça le cycle de la vie, mais elle est construite sur des crânes et des os. Tu manges ou tu te fais manger. Pour les animaux, c'est la survie. Les humains appellent ça le business. Oh, c'était... Du business, EJ. Un business horrible. J'ai été sauvé par une balle dans la tête. Elle a tué mon ancien moi, cet homme terrible, un homme que tu aurais appelé un seigneur de guerre. Mais cette balle a fait un trou dans mon crâne qui a permis à la lumière de Dieu d'y entrer. Et j'ai été baptisé par les eaux des chutes de Goka. Bon, ok. Et ces diamants? Lévitique 17:11. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Ce sont des vestiges de mes transgressions passées. Chaque diamant est un péché. Et ses mains en ont commis beaucoup. Et les armes pour le sentier d'or? Ils les auront. Et même mieux, va, dis à Amita et à Sabal qu'ils pourront avoir leurs âmes. Et ça les intéressera peut-être de savoir que Doppler se prépare à livrer une cargaison d'opium à l'ancienne fabrique de thé. De l'opium? Un autre business horrible, EJ. Allez, va, et dis-leur. Et une fois que ce sera fait, reviens me voir, car le Seigneur est toujours à l'œuvre. Thank you.
finira par payer. Thank you.
Ah. J'ai cru que vous ne reviendriez jamais. Vous écoutez Radio Free Kirat. Comme
Comme vous le savez, Pagan se sert de l'ancien distributeur de thé local, Kirati, comme centre de trafic d'opium pour Paul de Blair. Je me demande si les autorités étrangères se laissent berner par ce petit manège. C'est vrai, quoi. De Blair utilise les mêmes camions, les mêmes fermes, les mêmes entrepôts, tout ça sous le vieux logo de Kirati. Ça crève vraiment les yeux. Mais apparemment, ça dérange personne par ici. On n'a pas de brigade de stupéfiants dans ce pays. Pas de DEA comme aux States, ou de NNCC comme en Chine. Et ils s'en foutent qu'on sache qu'ils dealent de la drogue. Faut dire, c'est pas comme si c'était la goutte d'eau qui allait faire péter le vase après les massacres, les tortures et le travail forcé. Y'a pas un conseiller qui va aller dire à Pagan dans son palais. D'après les sondages, les assassinats et le fascisme, ça va. Mais vous connaissez les Kirati, la drogue, pour eux, ce serait vraiment le truc de trop. Ils veulent pas qu'on les prenne pour des dealers. Faudrait pas qu'on loupe le prix Nobel de la paix à cause de ça. Remarquez, ça les a pas empêchés de refiler le Nobel à un type qui balance des attaques de drones à tour de bras. J'ai pas tortillé du cul. Oui, je parle de toi, Barack Obama. Parce que bon, moi je te soutenais depuis le début. Et voilà que tu te mets à balancer des drones partout. Quoi? J'en ai trop dit? Qu'est-ce qu'ils vont faire, tes potes? Venir me chercher? Ils pourraient, après tout. Ils ont des logétos de bouseux planqués dans la cambrousse avant moi. C'est vrai, Pagan ne recouvrera jamais. Et vous, vous en êtes capable? Ouais, comme quoi, parce que Pagan, parce qu'il a franchement l'air complètement taré. T'as vu le costume et la coiffure? Tu sais ce qui va te tomber sur la gueule. Mais bon, revenons à la musique. Surtout, passe-nous un truc un peu joyeux. Je suis gentil. C'est pas vraiment la fête là-bas. Il se passe des trucs de dingue là-dedans. Non, je suis plutôt tolérant comme mec. Après tout, je fais une émission de radio libre pour vous, les auditeurs. Mais c'est moi ou quoi? Je suis peut-être ringard. Mais j'ai jamais compris les gens qui aimaient des trucs bizarres. Alors, oui, j'aime le sexe. Je remercie le ciel pour ça. Je baise volontiers, je dis merci et je passe à autre chose. Mais si ça part dans des délires du genre, je mets mon...
ici Pagan Min et j'ai... Une bien mauvaise nouvelle. Les attaques sur mes avant-postes continuent. Malgré ma promesse de punir très sévèrement ces actes inadmissibles. Les terroristes responsables de ces attaques sont des meurtriers et des criminels. Mais t'es ventré comme un animal. Les honnêtes citoyens du Kirat. Le sentier d'or. Assurez-vous de toujours lui laisser le passage et d'éviter tout mouvement brusque en sa présence.